Alors, je viens de parler des petits pistolets ISSC dont j'ai fait le banc d'essai. Et pendant que j'ai encore cette arme, le Mac American Classic 2, je vais en profiter pour dire un petit mot au sujet de son démontage. Alors, je ne vais pas expliquer à chaque fois le démontage de toutes les armes, et notamment d'un Colt 1911, parce que tout le monde le connaît, c'est toujours la même chose. Mais c'était quand même assez intéressant de parler du démontage de celui-ci. Parce que il se démonte très facilement. J'ai été surpris par sa précision. Ce n'est pas une arme de match, mais il a quand même une très très bonne précision. Et bien souvent, les armes de match sont difficiles à démonter. Elles ont très souvent une tige guide allongée qui ne facilite vraiment pas, qui complique le démontage. Elles ont très souvent des ajustages extrêmement serrés au niveau du bushing, qui fait qu'on ne peut absolument pas enlever le bushing sans un outil spécial, sans une espèce de clé en. Le mieux, c'est en polymère, de façon à ne pas risquer d'abîmer l'arme. Là, celui-là, bah, je vais vous le montrer, il est extrêmement facile à démonter. Il n'y a pas des ajustages serrés au point qu'on ait la moindre difficulté, et pourtant, il est très très précis en cible. Donc, ça fait partie des qualités remarquables de ce modèle. Alors, le démontage de cette arme s'effectue de la manière suivante. La première chose à faire, comme tout pistolet semi-automatique, c'est déjà de retirer le chargeur. C'est vraiment toujours, toujours la première chose à faire. Ensuite, on va tirer la culasse en arrière et je vais la bloquer en position arrière pour vérifier que la chambre est bien vide. Vérification visuelle, tactile. Ma chambre est vide. Maintenant, je peux procéder au démontage. Je vais tourner le bushing à fond vers la gauche, de façon à libérer le bouchon du ressort récupérateur. Donc j'appuie sur le bouchon du ressort récupérateur. Il faut que je le maintienne aussi en même temps. J'emmène le bushing à 90 degrés vers la gauche et je sors le bouchon du ressort récupérateur et je sors le ressort récupérateur. Maintenant, je peux amener le bushing vers la droite. Là, c'est plus à 90 degrés, c'est à 45 degrés. Et je peux le retirer, il est monté à baïonnette. Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment, on voit, ce n'est pas des ajustages extrêmement serrés, ça ne pose aucun problème de démontage. Ensuite, je vais amener ma culasse vers l'arrière de façon à ce que cette petite demi-lune se trouve au niveau de l'ergot du levier arrêtoire, de façon à pouvoir sortir le levier arrêtoire de culasse en poussant sur l'extrémité opposée. Voilà. Une fois que j'ai sorti ce levier arrêtoire de culasse, je vais pouvoir ramener l'ensemble canon-culasse vers l'avant. Voilà, tout sort. J'ai ma tige guide du ressort récupérateur. Là, on voit bien que c'est une tige guide courte. J'ai mon canon avec sa biellette. Alors, le canon, la seule solution pour le sortir, c'est vers l'avant et la biellette doit être orientée vers l'avant. Voilà. Alors là, je l'ai fait avec l'arme qui avait tiré, qui avait même pas mal tiré, donc qui est très encrassée. Et vous voyez que ça ne pose pas la moindre difficulté. Normalement, maintenant, je vais pouvoir aussi démonter le chargeur. Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais je vais quand même le faire de temps en temps, de façon à bien le nettoyer et le lubrifier. Et je vais bien nettoyer toutes ces pièces, les lubrifier avant de les remonter. Pour le remontage, c'est très simple. Je vais à nouveau introduire le canon dans la culasse à glissière en mettant sa petite biellette inclinée vers l'avant. Il vient s'engager dans les verrous, les verrous s'engagent dans les tenons des verrous s'engagent dans les mortaises de la glissière. Je vais poser la tige guide du ressort récupérateur tout en laissant cette petite biellette inclinée vers l'avant. Je vais le faire dans ce sens-là de façon à ne pas faire tomber ma petite tige guide.
Voilà. Et là, je vais l'amener légèrement vers l'arrière de façon à avoir le petit trou qui se trouve dans la biellette. Et engager dans ce petit trou mon levier arrêtoire. Alors, le levier arrêtoire, il faut aussi que je puisse je vais effacer un petit peu le ressort là, de façon à pouvoir le rentrer. Voilà. J'amène à nouveau la demi-lune juste en face de mon petit ergot de levier arrêtoire, de façon à pouvoir enfoncer le levier arrêtoire. Voilà, maintenant ma biellette est verrouillée. Je peux ramener la culasse vers l'avant. Je vais maintenant remettre le bushing et je vais l'amener à fond vers la gauche. Je vais remettre le ressort récupérateur. Je remets le bouchon du ressort récupérateur. Je l'enfonce en le maintenant, bien sûr. Et je vais ramener le bushing de façon à bloquer ce bouchon du ressort récupérateur. Et voilà, là mon arme est remontée. Ça n'a pas posé de difficultés particulières. Ça prouve que là encore, c'est une des qualités de ce modèle qui, vraiment, à mon avis, est extrêmement intéressant. Vraiment, un prix, bon, 800 euros, quelque chose comme 800 euros, c'est pas donné, ça paraît cher, 800 euros. Mais quand on connaît le prix des copies du Colt 1911 A1, et ben vraiment, c'est pas cher parce qu'il est vraiment très très bien placé. Les autres sont beaucoup plus chers. Et tous n'ont pas la précision ni la qualité de fabrication, parce que vraiment les usinages sont vraiment. Moi je suis admiratif devant les usinages, devant la qualité de réalisation de ce pistolet. Voilà ce que je voulais vous parler un petit peu du démontage, c'est fait. Ami tireur, je souffre parce que vraiment on est en pleine canicule là et il fait vraiment très très chaud. Ami tireur, merci pour votre fidélité sur notre site et bon tir!